Bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Engage. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons continuer cette bataille qui comprend Alear avec un emblème vide qu'on ne peut pas jouer, nu comme un ver. Bref, un mec inutile. Nell, qui certes est avec Corinne, mais ne fait pas de dégâts. Et comme on se fait éclater la gueule, on peut pas se protéger non plus, donc on est obligé d'utiliser des potions. Il ne nous en reste déjà plus que 8. Et puis ensuite, on a toute notre équipe, et ça, c'est une bonne chose, puisque on a enfin des alliés qui font des choses, hein, évidemment. On n'a plus Nil, slash. Nil, en fait, seulement Nil. Il n'y a que lui vraiment qui était à Yesh. Donc, c'est pas d'une grande perte, en fait, finalement. Hein, Nil, tu vas être un connard, très bien. On ne t'en voudra pas. Voilà, voilà. Alors, enfin, si, on t'en voudra, forcément, parce que. C'est quand même cassé le cul pendant 4 batailles à te protéger, mais maintenant que t'es plus là, ça fait du bien à tout le monde. Alors, on a une hache. Une. Ouais, ok. Alors, en vrai, le personnage aurait pu être intéressant. Voilà. Mais là, on est encore dans la sombre attitude. C'est dommage. C'est dommage. Zéro profondeur, du coup. Et à la fin, on va le tuer, il va faire. Non, mais en fait, je regrette. Ouin ouin. Ça va être ça un peu. On commence à les connaître. Hein. Dans Fire Emblem Engage, les méchants, c'est un peu ça. C'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu être différent. Qu'est-ce qui fait déjà le bracelet lunaire? Je sais plus. Attendez, non, on va pas faire ça. C'est pas ça que je veux. Séducteur. Il fait quoi? Nuit et jour. Bracelet lunaire, il fait son unité initie le combat par une attaque physique. Elle inflige des dégâts supplémentaires à hauteur de 20% de la défense ennemie. Et le bracelet machin. Ah bah ouais, je pouvais faire ça directement. Si une unité initie le combat, elle récupère 30% des dégâts qu'elle inflige en PV. On va faire nuit et jour. Hein. Voilà. On va attendre. Alors il fait tout loot. On se prend 13 dans la tronche. Et on ne met pas de dégâts de toute façon, donc on va pas s'embêter. Hein. Voilà. Vraiment qu'il met que 13 dégâts non plus, hein. C'est pas non plus un super bon. Un super bon ennemi. Hein. Il était déjà nul. En fait, il est quand même nul. Je crois qu'il est fort, mais il est quand même nul. On va lui mettre diamant en 1v1 et. Oh, il a esquivé. Bien joué, Alear. Bravo. T'as hâte de prendre les dégâts, toi? Mais Alfred, enfin. T'es censé être robuste. Tu n'es rien de tout ça, là. Y en a d'autres qui ont spawné, là, c'est ça? Des aberrations en continu? Ah oui, des aberrations qui spawnent dans les escaliers. J'avais pas vu qu'il y avait des escaliers. Ça, c'est la base, hein. Ça spawn dans les escaliers. On va attaquer avec le fameux souffle. Ça fait des dégâts de zone. Mais il meurt? Comment ça, mais il meurt? Ah, parce qu'il a des dégâts de. Il renvoie les dégâts, c'est ça? Comment je vois les altérations? C'est moi. Repoussement. Bon, comment je vois? Ah, effet. Renvoie les dégâts physiques subis. Les dégâts physiques. Pas les dégâts magiques. On est bien d'accord. Voilà. C'est des dégâts physiques, ça? C'est des dégâts magiques. C'est des dégâts magiques, ça. Pourquoi Veil, tu prends des dégâts? 27, parce qu'il s'attaque. Question, parce qu'il t'attaque. Réponse. 50% d'esquive. On a des soigneurs dans le groupe. Donc là, tu prends pas de dégâts. On va plutôt se la jouer comme ça. Ou alors, je déplace Fogado. Oui, on va plutôt faire ça. On va déplacer Fogado. Attaque. Arc long. On n'a pas l'arc de lumière, c'est dommage. Non, pas lui, parce que sinon il nous éclate. On va faire ça, hein. On prend plein de dégâts là.
Parce que j'aurais pu inverser les... Ah, j'aurais dû... Il a de la défense, j'aurais dû inverser les deux emblèmes, il aurait fait plus de dégâts. Dame. Pourquoi j'y pense à chaque fois, mais que trop tard. Au truc, je réfléchis pas assez. Là, je fais attaque, tonnerre. Pourquoi il m'attaque? À une distance, il m'attaque aussi. Mais il a 45, là. C'est mieux. Et j'ai dû laisser sur Erika et pas Farim. Voilà, Veil, c'est bien. Comme ça, il augmentait les dégâts. Par rapport à la défense du mec. Et peut-être qu'il crevait. Tant pis. Tant pis. Tant pis, tant pis. Alors toi. Attaque. Ah, mais t'as plus. Quoi? T'as plus l'épée au rage? Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, j'ai plus l'épée au rage. Cette honte. Cette honte absolue. Alors toi, c'est pas mal. Petite attaque. 21, tu prends cher. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout, c'est nul. On a plein de dégâts magiques là, c'est une bonne chose, mais maintenant la question c'est d'où est-ce que je les tire? Je peux peut-être mettre toi là. Je te tue là, je te mets les 20. Je te mets les 20. Tu clams. Paf. Ok. Ensuite, toi. Je peux te mettre ici. Je t'attaque. Tu clames, c'est net, c'est propre, c'est précis. J'ai envie de dire, c'est Mérine. C'est sans surprise. Ça fait le boulot, comme on le demande. C'est esquive tout. Bref, c'est Mérine, quoi. Dégâts physiques, là, on prend cher son attaque, donc c'est pas bon. Dégâts magiques, je peux me mettre là. Est-ce que je peux t'attaquer d'ici? Non. Si je fusionne. Je ne peux toujours pas. Si je me mets là, attaque. Excalibur. Je prends 31. En toute simplicité. C'est quand même pas mal. En vrai. Le 31, il fait du bien. Et ensuite... Ah ben il est mort. D'accord. Il a mouru quand même. Alors je sais pas pourquoi. Pourquoi il est mort? Il vient attaquer, le machin est mort. Très bien. Mais il a pris des flammes, il a pris des dégâts supplémentaires, je sais pas. Parce que pourquoi il a pris les 31, il a pris des dégâts en plus sur la flamme, je sais pas. Je ne saurais dire. Ok, ok. Bah attends, non. On va attendre. On va se mettre là. Vous avancez quand même. Toi, je vais te laisser là. Attendre. Et Nel... Est-ce que je peux pas l'attaquer le lui là? Non, je prends des dégâts, le problème il est là. Le magicien là il est un peu relou. Alors on va quand même peut-être mettre l'éclair déchu. Hein. En équipement. Veine dragunaire. Crée une aura qui restitue des PV. Crée une flamme qui inflige des dégâts. Ça inflige pas de dégâts évidemment. Unité face au brise-garde, on s'en fout. Qui augmente l'esquive. Qui augmente la raise. Voilà. Qui augmente la raise la def. J'ai même pu coriner. Avec l'emblème. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Vraiment rien d'intéressant. On prenait 13, on prend 20. Bien fait de me mettre en dragon en tout cas. Oh, il est esquivé. Ah, je lui mets 3 dégâts. Ouais, bon, on va pas mettre les dragons du coup. Hein. Très très mauvaise idée. Très 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 mauvaise idée. De la part du joueur français. Bah, l'esquive de Veil. Une fois de plus. Là, on a Aléar qui va prendre 0 dégâts. Parce qu'il n'y a pas de précision. Il y aurait eu 10% de précision, il se les aurait pris, hein, Aléar. On le connaît. On le connaît, le monsieur. Ok, alors là, ce qui est intéressant, c'est que je peux me barrer. Très mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Non, ce qu'on va faire,
On va fusionner. Rugissement torrentiel. Très mauvaise idée. J'aimerais me mettre en endroit où je prends pas les dégâts. Là, c'est bien en vrai. Là, c'est mieux peut-être. Je sais pas si c'est mieux là. À escalier, cela dit. C'est vite que des unités spawn. Là, on est obligé de se prendre un objet. Hein. Voilà. Ah non, mais j'ai pas. Oh non, j'ai oublié de me remettre en. Damn, j'ai oublié de remettre les armes bien. Chier. J'ai pas un bâton de téléport là. Téléport direct quasi ici et puis c'est fini. Non, évidemment. Ça aurait été trop beau. Pas du ça, mais celle elle en a elle. Non. Non, non, non. Non, non, non. C'est que des remèdes, hein. Ouais. Ça va du coup te demander, hein. Alors, attaque. Pourquoi tu vas me bête? Elle meurt. Elle esquive tout de toute façon, Veil. Pourquoi on est là? Bah, Veil. Je dis que c'était esquiver tout. Il y a seulement plusieurs endroits de combat parce que là la caméra elle était ici. Ça n'a aucun sens puisque le combat s'est déroulé ici. Mais comme ici c'est pas très beau esthétiquement, le jeu il a dit par là-bas. Mais c'est un peu aberrant. Tu peux pas aller bien loin toi. Pourquoi tu peux pas aller bien loin? Toi tu m'embêtes. C'est toi que je veux, c'est toi. Ça change rien. Et je pourrais presque le tuer. Est-ce que c'est intéressant de le tuer? Pas sûr. Hein. Alors. Tempête, éclair, tempête, tempête. Tempête, c'est bien, tempête. Hop. Double vent dans la tronche. Mérine. Petit coup de dague. Paf. Dans la carotide. J'ai pas bien vu, mais on va dire que c'est par là. Hop. Voilà. Toi, ça c'est très bien. Parfait. Tu vas pas, juste pas te foirer quoi. C'est une grosse boule de feu. Voilà. Très bien. Le canonnier il dégage. Il y a lui qui est relou. Au canonnier. C'est vrai qu'il y a lui qui est relou. Le problème c'est qu'après il. Ah si, il s'est déplacé le feu. Il s'est déplacé le saligo. On s'en fout complet. Ah, mais on peut pas passer là. Enfin, on peut passer qu'avec des unités volantes, quoi. Et encore, c'est même pas sûr. Volant uniquement, si c'est marqué. Volante uniquement, c'est marqué. Donc, du coup, on peut pas. On peut pas trop passer, quoi. Ok, ok. Ben, on va pas passer en tout cas. On va faire ça. On va se mettre là. Toi on va avancer quelque part comme ça, on va faire attendre, comme ça tu récupères des PV. Toi tu vas aller là parce que tu peux le faire. Toi tu vas te déplacer ici parce que pourquoi pas, tu peux aller en un truc volant. Et Yunaka tu vas là parce que ça serait pas mal. Il y a juste... Ah j'ai oublié de Shiny Veil. Oh là là, je suis trop étourdi là. Elle reprend cher.
Elle reprend très très cher, et c'est très très con, parce que c'était pas nécessaire. Lui il vole, on s'en fout. Je dis c'est que des bâtons remèdes, gel. Bah oui, 0%, ouf. Uf. Parce que là mon erreur elle coûte cher, hein. Si on perd Veil. Oh non, c'est quoi ça? Admirez un peu mes wyvernes corrompues. Elles vont déchiqueter votre cher dragon divin. Super! Ah bah non, c'est elle d'abord. Très bien. Ah, il ne m'adresse pas. Alors, objet, déjà, on va se remettre notre... ça. Et on va utiliser ça. Voilà, voilà. Bon, là, il va falloir se bouger un peu le... l'arrière-train, infranchissable. Oh, attendez, quoi? Ah, volante uniquement, oui, non, évidemment. Infranchissable. Infranchissable, on peut passer au-dessus. Mais non, on ne peut passer que par là. Hein. Que dalle, hein. Que dalle. Alors toi, t'as mal, donc faut que je te soigne. Toi, t'as très mal. Est-ce que je peux pas faire un souffle? C'est pas mal, souffle. Est-ce que Soren, il pourra le finir derrière? Est-ce que j'ai Soren? Bah non, j'ai pas Soren. Je suis avec Gris. Merde, j'ai pas mis Soren. Oh no! Ah, c'est embêtant ça. Je n'ai pas l'emblème Soren. Mais c'était avec Veil qu'il y avait Soren. C'était lui. C'était Soren qui était avec Veil, pas Camilla. Bon, tant pis. Bâton. Restitution, une grande quantité. Enfin, une grande quantité, hein. Allez, prends-toi ça. Hop. Tu en as besoin. Ensuite. Toi, je peux te mettre là. C'est pas un problème. Toi, je peux t'attaquer. On va faire nuit et jour. Comme ça, je reprends le bracelet lunaire, hein. Fait plus de dégâts vis-à-vis de la défense, tout ça. Voilà. Ensuite toi. Ta 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 ta. Pas convaincu. Là, on va fusionner un moment. On va faire le souffle. On prend 11. On crame la gueule. C'est important. Voilà. Et lui avec sa dague qui nous embête. On va se mettre là. T'es pas à l'archer donc c'est pas bien grave. Je te fais ça et puis voilà. Ça toi tu meurs. Il est pas dans les poteaux. Oh non! Oh non, l'esquive! Notre Lexis! Aïe! Oh, par contre, c'est pas cool. Ça, par contre, c'est pas cool du tout. Hop. Tintin. Domaine purifié, putride. Pas du tout purifié le domaine. Là il nous met que 13. C'est mieux que 2 x 13. On perd un tour là. Poids moins 50. Du coup, on prend cher. Là elle est pas contente. Elle se fait éclater. Par contre le problème c'est que le prochain combat. Aïe. Ok, il a déjà attaqué l'autre. Vitalis. Qu'est-ce qu'il fait lui? Aléar qui prend 18. S'il va pas l'esquiver évidemment. Ah si, voilà. C'est bien Aléar.
Ok, c'est qui encore? C'est Hortense à cette fois, qui va pas prendre du 7 parce que ça esquive à 4% quand même. Là, j'aurais un peu eu les boules si elle se les prenait, les dégâts. Aïe. 5, 5, ça fait 10. Oh, il y a le coup critique. Ah, bah, ça dégage. Hein. J'ai pas besoin du critique, cela dit, mais. Ok, bah c'est que 5 dégâts. Ça va, ça va. Elle survit. Ivy survit. Ivy survive. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Oh non, il y a encore un comme ça. Bon, en vrai, on a le Christ, donc on s'en fout complet. On s'en fout total. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas s'en débarrasser avec le Christ? Du gros dragon là-haut. Si, hein. Voilà. Allez, ça dégage. Parce qu'autant celui du bas, il va venir vers nous, donc on va pouvoir l'avoir en portée d'arc normale. Autant celui-là, j'ai pas trop le choix. On va faire ça. J'aurais dû y penser plus tôt. Mais ça a pas trop porté préjudice à personne, donc c'est bon. Toi, ici, est-ce que je peux pas te soigner avec un soigneur? Si. Donc c'est ce qu'on va faire. Bâton. Remède. Ça te soigne tes 13 sans que tu utilises de potion. Hop. Et toi, je te mets du coup en veine dragunaire de brouillard. Comme ça, sait-on jamais, tu peux esquiver les dégâts. Tant qu'on arrive, hein. Une fois de plus, c'est toujours le principe. T'as quoi comme veine dragunaire? Crée des piliers qui augmentent la résistance, crée de l'eau qui fait diminuer l'esquive, diminuer les défenses. Ah, c'est pareil. Mais c'est devant nous, c'est vrai. Ok, attaque. Il nous met mal, hein. Il nous met mal quand même. Saligo. Ça, c'est un combat pour Mérine. Non. Pas un combat pour Mérine. C'est un combat pour Diamant, alors. Non plus. C'est pas un combat pour Diamant, ça. Bah. On va pas me demander de le fusionner, là. En vrai, c'est un combat pour Diamant. Je lui donne un petit coup d'épée comme ça, paf. Il me met 12. Échange cordial, finalement. Ensuite, il y a Veil qui vient finir le boulot. Hop, comme ça, ça recharge sa Camilla. On y va en obscurité comme ça, on a 100%. On bute Camilla. Et on n'en parle plus. Voilà, ça dégage. On obtient le bâton remède. Ok, ça c'est une plutôt bonne chose. Toi, alors on va rien faire. Toi, tu n'as plus le. Il faut te soigner. Alors toi, hop, souffle. Est-ce que le souffle il est bien? Ah, il en tape 2, mais ça le tue pas quoi. Est-ce que j'aurais pas une autre attaque? Non. Pas spécialement. Fogado, tu fais pas grand chose, intéressant. Tac, Marc Lombe. Tu fais rien non plus. Alors Mérine. Fais-tu quelque chose? Peut-être, si je fusionne. Tac. Non. En vrai c'est pas fou, hein. Évidemment toi peut-être. Donc, toi tu le tues. Avec 70 de précision, ça c'est chiant. Est-ce que je peux pas fusionner juste? Est-ce que ça augmente la précision? 70, 65, 50, 70, non toujours pas. Est-ce que si je me rapproche, j'ai d'autres options? Bah, je risque de prendre des dégâts, 70. C'est pas mieux en plus. Ok. Bon, ça c'est naze. Chloé. Bon, ça c'est naze aussi. Bon, ce qu'on va faire, c'est que ça c'est quand même pas mal. Hein. Attaque, le souffle, il en touche 2, il y a 90% de touche, on prend pas de dégâts en le faisant. C'est quand même assez intéressant. Oh, il y a un coup critique. Oh, le coup critique. Oh, le souffle il y a un coup critique. Est-ce que ça coup critique derrière aussi? Non, ça coup critique que devant. Bon, en vrai c'est quand même pas mal. Hein. Pas se mentir. Fogado, attaque. Arc long, 82, 97, c'est très très bien ça. À chacun sa cible, hein, j'ai envie de vous dire. Hop. Chacun a des dégâts optimales, optimum, optimaux. En fonction de qui c'est qu'ils agressent. Alors là,
Est-ce que je peux mettre là? Oui, je peux mettre là, mais du coup, lui, t'agresse. Après, ça dit, c'est pas bien grave non plus. 74, on va faire ça. Ça passe pas, tant pis. Derrière, on demandera à Chloé de la soigner. Ok, ça passe. Tant mieux, parce que sinon, j'aurais été dans la merde. Non, j'avais quelques options avec avec Meryl, notamment, mais... Alors, bâton, on va faire... Petite cure. Voilà, hop. Ça, c'est une bonne chose. On a pas mal de bâtons dans l'équipe, ça, c'est plutôt cool. On manque pas trop de soins, et en même temps, on a besoin de ça. J'aurais dû faire le ralliement plus, parce que ça coûte rien de le faire. Je ne l'ai pas fait. Yes. Ok, domaine putride qui est de retour. Toi, tu tapes personne. Voilà. Tu me l'esquives là, Nel. Non, toujours pas. Bon. Tant pis, hein. Tant pis. 36, tu lui mets 32. Là, on aurait bien aimé le coup critique. Parce que tout à l'heure, tu le butais. Alors que là, non. Donc, c'est dommage. De là, tu as touché, c'est pas mal. Lui qui se pointe là, on sait pas pourquoi. Fogado, ce jeu de massacre promet d'être amusant. Je vais avoir besoin de quelques pions pour jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a Véronica, lui. D'accord, mais il a quand même débrassé, du coup. On n'a pas 6. Puisqu'il en a déjà 3, là. C'est n'importe quoi. Ce dialogue n'avait aucun sens. Ah. Ok. Il réinvoque des ennemis, évidemment. Top. Alors... C'est une très mauvaise idée d'attaquer lui. Je sais pas si la veine de soin elle fait quelque chose. Final. Soin plus 10 par tour. C'est quand même à soigner. Hein. On va faire un petit remède sur la dame. Hop. Alchrist. Non. Pas attendre. C'est lui qui nous embête là. Souffle putride. Il faudrait que je passe par là pour lui péter. Ils vont le faire tout seul en vrai. Hein. Je crois qu'ils vont être suffisamment grands pour venir. On voit absolument pas. Qui attaque quoi? Toi tu es là. Oh, attendez. Se débarrasser d'eux déjà. Toi tu peux pas bouger. Si tu peux bouger. C'est quoi l'effet que t'as là? T'as un petit machin. C'est quoi, c'est le déplacement qui réduit? Je sais pas trop. Petit item, c'est la magie. Non, on va se mettre là plutôt. Toi, tu dégages. Non, tu dégages pas. En tout cas, pas avec autant de certitude qu'on aimerait l'avoir. Il fait 8, c'est super. C'est génial. On m'éveille alors. Je me mets là. Ok, on est bien. Vas-y. Tintin. Dalpus miasme, mais on s'en fout les Dalpus miasme. Ouais, mais tu nous mets des dégâts là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Tiki. Là, il y a 34% de coup critique. 16 en coup critique x 3, ça fait suffisamment pour 40 ou pas? Ouais. Hein. Et non, c'est un raté. Dommage. Hop. Je dis pas non plus grave. Hein. Il y a un moment, ça va pas passer ça. Hein. Pas maintenant, mais il y a un moment, ça va pas le faire. Je crois que c'est déjà le troisième qu'on réussit. Donc théoriquement, statistiquement parlant... Même si ça ne fonctionne pas comme ça. Un peu quand même. Le prochain, on se foire. Hein.
J'aurais pu le faire après, il est vrai. Mais c'est nécessaire de toute façon, puisqu'on se fait pas attaquer. Je ne suis pas sûr. Voilà, on n'est plus empoisonné. Très bien, phase ennemie. Ah, mais ça soigne également l'autre. Ça, c'est pas une bonne idée, par contre. Quelle bonne idée de faire la... J'ai soigné l'ennemi qui a pris des dégâts. Nice. Il va me taper. Ah oui, il y a quand même plus de chances de se faire toucher. Hein. 30% de plus. Belle connerie, quoi. Veil. Ah ouais, 20 quand même. Tu mets ça. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ils sont nombreux. Et lui qui se pointe là-haut, tu sais toujours pas pourquoi. Et lui, il en réinvoque encore. Encore ! Il va falloir se calmer par contre, Fogado. Très très vite. Parce que nous, notre invocation, ça en invoque 1. Et c'est un moine tout pourri. Là, tu nous en invoques 3 à la fois. Et c'est, ils ont peur d'être des moines tout pourris. Hein. Ok, ça nous soigne de 10, effectivement. Bon. On va s'arrêter là de toute façon pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain pour la suite de ce combat qui est dense. J'aime ce qu'il se passe dans ce combat. Ciao ciao tout le monde et à la prochaine.